regardez, on n'aura plus jamais dommage chez Marcus. Bon bah tant pis, on en changera. Ça c'est les dégâts provoqués par Lollipop Chainsaw, le jeu qu'on va tester aujourd'hui et qui méritait bien franchement un miroir brisé. C'est pas grave, c'est 7 ans de malheur, on s'en fout. Vous avez entendu cette petite musique d'intro, c'est pas la classe. Lollipop Chainsaw sait soigner ses entrées puisqu'elle a choisi une musique de goût. Regardez ça, Jekyll, un bon vieux CD des années 80-90 avec le morceau The Lumberjack, le bûcheron, qui était franchement approprié pour commencer ce chez Marcus. Hein, ma copine? Eh oui, c'est super! Aujourd'hui, on joue à Lollipop Chainsaw! J'ai toujours rêvé de faire une intro à la Kermit la grenouille. Bon, bah voilà, cette fois, ce sera fait. Installez-vous, les petits amis. Donc aujourd'hui, on teste Lollipop Chainsaw. Autant dire que on va pas faire dans la finesse, pas du tout, loin de là. Mais tant mieux, on adore ça, un bon gros jeu de baston, hein ma cocotte. Oui. Un très bon jeu de baston, très réussi, qui saigne, qui est drôle, qui est bien foutu, bref, que du bonheur. Bon allez, je t'installe à côté de moi, voilà. C'est pas, elle a l'air un peu ramollie. Voilà, on va la mettre ici. Et puis, eh ben, nous, on y va, on va commencer avec le niveau de l'école. Parce que je trouve qu'il est assez représentatif de l'esprit du jeu. Donc cette pauvre petite Juliette qui est pom-pom girl à la San Romero High School, qui est envahie par des zombies bien sûr, le jour de son anniversaire, donc elle est très énervée, voilà. Ils ont mordu même son petit copain Dick ou Nick ou Rick, je sais plus comment il s'appelle, Rick je crois, à tel point qu'elle a été obligée de lui couper la tête pour qu'il puisse survivre. On va voir ça tout de suite. Regardez, ce brave garçon va se réveiller. Il va être un petit peu surpris. Nick, voilà, je savais plus si c'était Dick ou Dick. Elle est belle, Juliette, hein, vous remarquerez. Yeah, basically. I feel okay. I feel good. Julia, I'm not a zombie. Not at all. What? Oh no. Et oui, ça surprend. On n'aura plus jamais mal aux genoux, c'est déjà ça. I didn't know what to do. How am I still alive? How am I still talking without a fucking thorax? Bon, on a entendu fucking. Hein. Ils ont pas peur de mettre des gros mots. Ils ont pas peur de faire de l'humour très très trash. Et résultat des courses, bah ça fait un jeu vraiment rafraîchissant, vraiment drôle. Bourré de bonnes idées et aussi de trucs de jeu absolument fabuleux. Il n'y a pas que le scénario qui est drôle. How? How do you know how to perform a magical ritual on my decapitated head? There's some stuff I didn't tell you before, okay? I didn't want you to think I was weird. I'm kind of, sort of, I... What? Juliet? Don't know how to say it exactly. Zombies! Zombies! Come to kill us now! I'm a zombie hunter. Voilà, ça c'est de la révélation, regardez. Et voilà, il va être accroché là, le petit vénard, en tout l'épisode. Yes! Voilà, que du bon goût, hein, ça je vous avais prévenu. Et donc Juliette est évidemment zombie hunter, comme toute sa famille. Comme c'est une pom-pom girl, regardez, elle fait des très beaux mouvements de pom-pom girl pour, on va dire, étourdir les ennemis. Et une fois qu'ils sont bien étourdis, qu'ils ont des belles étoiles autour de la tête, sont beaucoup plus faciles à éliminer. En général, un coup de tronçonneuse suffit. Vous voyez là, ça y est, je vois des petites étoiles qui volent, donc je vais pouvoir le finir d'un coup, alors que ça aurait pris évidemment plusieurs coups de tronçonneuse pour un zombie classique. Voilà. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Voilà, un petit tourbillon. Alors évidemment, plus... c'est ça qui est génial dans le jeu, c'est qu'il y a vraiment des jeux, des coups comme dans un jeu de baston, j'ai envie de dire. Vous savez, on avait testé Spider-Man et les combats étaient un peu confus, en gros, on appuie sur n'importe quoi et ça se passe plutôt bien. Là, non, il y a vraiment... il y a des coups bas, par exemple, il y a des coups plus hauts. On peut sauter par-dessus un adversaire, etc. Donc, il faut vraiment utiliser toute la panoplie de coups dont on dispose, merci Alex, pour arriver à faire quelque chose. Lui, par exemple, j'ai un peu de mal de face, donc je vais essayer de l'avoir de dos. Et voilà, c'est tout de suite plus efficace. Notez au passage les petites étoiles disco qui récompensent nos trucs. Ah, en propos de récompense, en général, dans les poubelles, il y a toujours de l'argent. Il faut le récupérer
Ça permet de s'acheter des costumes, des sucettes comme celles que vous voyez à gauche, qui permettent de récupérer des points de vie, mais surtout de comment on fait collection de sucettes. Donc ça lui permet d'avoir des sucettes de toutes les couleurs, à tous les parfums. Je visite un peu les vestiaires pour récupérer du fric. Ça peut servir aussi. Donc ça permet d'améliorer des armes, d'acheter des combos, etc. De toute façon, ces vestiaires étaient très moches. Voilà. Bon, allez, suffit. Il est temps de sortir. C'est pas le genre à ouvrir les portes avec les mains. Juliette, elle ouvre tout. Alors voilà. Monsieur Fitzgibbon, le prof de maths. Contrôle de maths. Et ben, voilà, c'est l'enfer. C'est l'occasion de se venger pour beaucoup de teenagers. Et vraiment, c'est super drôle. Vous entendrez peut-être tout à l'heure, il y a un des étudiants qui dit « Non mais tue-le, il m'a mis un 2 en maths la semaine dernière. » Test time, voilà. Prenez une copie double. Voilà, bon, bah c'est une façon de me tester. Bah, très bien, moi, j'ai pas peur. Donc, plus je décapite, je tronçonne, je frappe avec style, et plus je vais marquer de points. Parfois, ça va virer carrément au truc méga disco, où l'action se passe au ralenti avec des étoiles qui brillent partout. On aura peut-être l'occasion de le voir si je me démerde pas trop mal. Si j'arrive à shooter 2-3 zombies d'un coup, voilà, là, je le fais. Mais pourtant, j'ai pas le droit à mon petit zombie sparkling. C'est dommage. Donc voilà, plein d'idées super. évidemment, je pense que c'est un peu 18+, c'est quand même assez gore. Et même dans les idées et dans les mots, il y a vraiment des trucs un peu gore. Ah bah alors, il veut pas sortir de derrière son bureau, il est planqué le prof de maths. Est-ce que moi je peux aller le choper? Allez monsieur Fitzgibbon, sortez de là, ou peut-être il a peut-être oublié un petit zombie, mais oui, j'ai vu une fille dans la salle de classe. Il attendait que ça pour sortir de sa retraite. On se tait, on se concentre. Bah il s'est marré, très bien. Bon, eh bah allons-y. Et vas-y que j'ouvre les portes à coups de pompe. Donc j'adore ce côté trash, vraiment, vraiment. Alors ça fait penser à plein de trucs, genre Bayonetta et tout. Moi j'avais pas trop accroché à Bayonetta. Je trouvais pas ça très fun finalement. Alors que vraiment Lollipop Chainsaw, je trouve ça magnifique. C'est plus mon humour, que voulez-vous. J'accroche beaucoup plus. Elle prend soin, elle fait en sorte qu'on ne voit jamais sous sa culotte, ce qui est quand même assez étonnant. Il y a toujours, quand vous essayez de mettre la caméra sur sa culotte, ça ne marche pas. Elle ne se laisse pas faire en général. Alors regardez, il y a un étudiant qui est attaqué, il y a écrit SOS au-dessus de sa tête, donc il faut que je le sauve en priorité puisqu'il a une barre de points de vie. Et on va essayer d'éviter de faire en sorte qu'il y passe. Et que j'y passe aussi, faut quand même que je surveille un petit peu mon niveau moi aussi. Vous voyez les petites sucettes en haut à gauche, c'est ma jauge de points de vie. Quand ça va mal, je peux sucer une sucette et tout de suite je vais beaucoup mieux. Alors pourquoi sauver les étudiants? Bon, d'abord c'est nos collègues, c'est nos potes, mais surtout parce que si vous ne le faites pas, ils seront mordus et donc ils se transformeront en zombies et ils viendront se venger, ils viendront vous manger. Donc c'est très important de les sauver. Là, je vais aller choper une sucette au fond. Voilà. Il doit rester quand même un ou deux zombies que j'avais pas repéré. On va lui faire le coup qui m'a rendu célèbre. Le coup de pied sauté. Voilà, j'adore. Ça permet de repousser un zombie et de l'étourdir. Du coup, c'est très efficace. Parce qu'après, un coup de tronçonneuse sur un zombie étourdi et c'est terminé. Donc, le premier niveau se passe plutôt sur le parking à l'extérieur de l'école. Là, c'est cette fois... au lycée, mais vraiment ils ont vraiment pensé à tout quoi. J'espère que vous verrez que j'espère arriver à vous faire des trucs. Il y a un moment où elle fait du pole dancing carrément autour d'un poteau pour se débarrasser des zombies. Ce niveau, il y a un moment où vous faites un jeu de basket au gymnase avec des zombies. Donc il faut leur couper la tête et les envoyer dans les paniers pour marquer 100 points en moins de 3 minutes. Il y a quoi encore? Il y a vraiment des trucs complètement barrés. Vous affrontez un punk sur une scène de rock qui vous balance des gros mots, faut esquiver les gros mots pour s'en sortir. Enfin vraiment voilà, ils ont eu des idées complètement barrées, les boss de fin de niveau sont assez épiques, et vraiment drôles en plus. Tout ça c'est la faute d'un vilain gothique de l'école qui se sentait un peu rejeté, et qui a fait venir des zombies d'une autre dimension. Vous avez un prof qui est votre prof de japonais, qui est en fait votre prof d'arts martiaux et de tuage de zombies, on va dire. Voilà, donc il y a vraiment, ça mélange des tas de trucs, on se croise dans des films de Tarantino, c'est vraiment plein de bonnes références et de trucs rigolos quoi. J'ai peut-être mangé une petite sucette, regardez, parce que je ne vais pas très fort. Voilà. Vous avez vu mes points de vie ont remonté de moitié en haut à gauche. Je me sens déjà tout de suite mieux.
Ça, c'est très efficace. Le truc, c'est jouer à ce mouton qui passait derrière un gars et le tronçonner par l'arrière. J'essaie de lui faire ça. Voilà, regardez comme c'est beau. Je vais tapoter un peu. Alors, il y a des quick time events de temps en temps. Elles sont plutôt rigolotes, puisqu'en général, il s'agit de tronçonner quelqu'un en long, en large et en travers. Donc, voilà. Alors là, le prof de maths, Monsieur Fitzgibbon, se protège avec son bureau. Donc, soit j'essaye une attaque au ras du sol pour lui couper un peu les pattes. Ça a l'air super efficace. Et puis surtout, il s'énerve. Soit j'essaye de passer au-dessus pour l'avoir par derrière. Voilà. Tout de suite, dans le dos, c'est beaucoup plus efficace. C'est peut-être un peu lâche. Mais en même temps, il n'a pas été très sympa avec moi au contrôle de maths, c'est vrai. Je pense à tous les étudiants qui vont jouer à Lollipop Chainsaw qui vont un peu se défouler. Quand ils en ont un peu marre de leur prof de maths, de leur prof d'allemand, ça fait pas de mal, c'est vrai, de le voir ressusciter en zombie et de pouvoir l'achever. Ah, il est très énervé, Monsieur Fitzgibbon, voilà. Il va aller enrichir ma collection. Alors, tout est fait sous forme de comics, c'est assez génial. Regardez aussi bien les scores avec une petite trame dessus que tous les menus. Tout est vraiment fait comme dans un comics. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les zombies suicides, comme si ça suffisait pas, les zombies. Très bien. Eh ben, on va essayer d'aller de voir ce qui se passe là-bas. Donc il fait les commentaires, hein, Nick, hein, pendant ce temps-là. Vous voyez qu'il est toujours accroché à ma ceinture. Je vais en profiter d'ailleurs pour essayer de rapprocher la caméra de Juliette, que vous puissiez voir comme elle est belle. Sachant qu'évidemment, on m'empêche. C'est un peu déloyal. Regardez comme elle est jolie. Franchement, et ils ont vraiment, vraiment réussi. Et ça l'énerve un peu, comme il n'y a pas que ça à faire. J'essaie d'aller voir sous ses fesses. Et on ne peut pas, vous voyez, elle met sa main tout de suite. Voilà. Ça, je trouve ça assez drôle. Juste vite fait, les menus avec, vous voyez, des différents combos qui apparaissent au fur et à mesure, qu'on peut acheter au fur et à mesure. Et même tous les menus, on peut même changer la musique, acheter des musiques, etc. Je vais mettre First Dead Zombie Edition. Cannibalisme, ça a l'air sympa comme musique, on va écouter ça. Et puis il y a les trucs de Juliette, donc c'est des... Faire voir vite fait. Pardon. Elle a ses petits objets, elle a des vêtements. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs. Elle a sa collection de sucettes, avec fraises fracassantes, miel citron, ses messages sur son répondeur. Enfin vraiment, ils sont vraiment creusés pour faire un maximum de trucs rigolos. Et faire en sorte que ce soit pas juste un jeu de baston. C'est vraiment un jeu de baston bien barré. Oh, eux sont mal barrés par contre. Je vais aller leur filer un petit coup de main. Ouh, ou pas. Donc c'est toujours super spectaculaire, il se passe toujours des trucs incroyables. On va faire demi-tour. Et Rick, qui est quand même pas un mec très intelligent à la base, maintenant qu'il n'est plus qu'une tête, va devoir utiliser sa tête. Regardez. J'ai déjà tronçonné ça, donc hop, je tronçonne en poussant vers le bas. Ça, c'est drôle. Voilà. Et derrière, vous voyez un zombie sans tête. Et derrière lui, une sucette. Tiens, je vais choper la sucette. Et on va mettre la tête de Nick sur le zombie. Pour l'amener à exploser un petit peu plus loin. Donc c'est en VO sous-titré, mais franchement, les dialogues sont excellents. Donc je vais déjà rafler la sucette derrière. Et là, je vais arrêter de vous parler, il faut être très concentré, c'est de la Quick Time Event, il faut appuyer dans le bon ordre, au bon moment. Et si je rate, je recommence au début du niveau. Donc, allez, on met la tête de Nick et on se concentre. Triangle, croix, triangle, rond, 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 carré. Ouf, je dis ça, j'ai raté une fois, j'ai voulu tout refaire, ça m'a un peu saoulé. Je me dis, pourvu que ça ne m'arrive pas quand je ferai chez Marcus devant vous, mes petits amis de No Life. Ah, voilà une boutique. Alors c'est très très bizarre, vous pouvez faire le tourniquet de Nick, avec ce petit ticket, peut-être en racheter un autre d'ailleurs. Regardez la tête du magasin, vous allez voir, c'est spectaculaire. Je peux lui acheter des fringues, sur leader classique, je lui ai acheté un petit short sexy. On peut acheter des musiques, on peut acheter évidemment des illustrations sur tous les personnages, pas trop cher. Et puis évidemment, le plus important, c'est à la fois santé et amélioration. Je vais acheter des tickets Nick. Voilà, je vais m'en acheter deux, ça marche pas à tous les coups. Et je vais essayer les techniques de folie aussi. Une grade 127, je peux peut-être m'acheter quelque chose. Le combo au pompon, je ne l'avais pas encore acheté, voilà. J'appuie sur carré jusqu'à 5 fois et ça va étourdir les zombies encore plus vite. Très bien. Alors allons-y.
Allons friter des gens. Et un pauvre étudiant qui n'a rien demandé. C'est parti. Ah, j'ai lancé le combo de Nick, donc regardez, c'est une sorte de jackpot, faut que je l'arrête sur un tourbillon, j'ai raté. Il me reste encore deux tickets pour tenter. Essayez. Oh là là, il s'est fait bouffer, je suis pas intervenu assez temps, à temps, donc il va vouloir se venger. Donc l'étudiant que je devais sauver va maintenant être extrêmement difficile. Avec moi, regardez, ah là j'ai réussi trois zombies à la fois, Sparky, Empty. Ça fait plein de points, plein de bonus, très fier de moi. Voilà. Je disais que c'était pas très confus, j'avais un peu menti, d'accord. Mais en gros, les caméras se placent plutôt bien et on sait toujours ce qu'on fait. Oh, et là par exemple, j'ai été attrapé par ce gars que je devais sauver. Donc voilà, un petit saut en hauteur et on l'achève au sol. Ça, c'est un des combos que j'ai appris en cours de route. Ah, une petite étoile, ça fait pas de mal. Ça arrive. Faut pas qu'il me chope et faut que je surveille aussi mes petits points de vue à chaque fois. J'adore le coup du saute-mouton. Je saute par-dessus un zombie et je me chope derrière. Ça marche toujours très très bien. De même que mon petit coup de pied sauté. Là, je l'ai un peu fait dans le vide. Après, je prenne de l'élan. Voilà, ça marche bien. Ça, c'est efficace. That's my girl, yes! J'adore. Et puis franchement, graphiquement, avec tous ces petits cœurs qui volent, cette tronçonneuse rose, c'est absolument magnifique. Contrôle surprise, oh là là. Alors lui, il va pas aider. Oh là, des zombies avec des flingues. Ça, c'est un peu rude. What's the deal, dude? Zombie cop. Fucking lame. Donc là, je vais essayer d'esquiver un petit peu ses tirs. Pour arriver jusqu'à lui, mais alors il tire de tous les côtés, c'est pas évident. Hop. Le coup qui m'a rendu célèbre de la pom-pom girl, le coup de pied sauté. C'est derrière. Allez, allez, allez! Faut surtout pas le laisser s'éloigner parce que ça finit mal. Ah voilà, là il est bien étourdi. Pour pouvoir le finir. Oh là, j'ai plus beaucoup de points de vie, donc tout de suite. Bon, heureusement je l'ai tué, mais je voulais récupérer une sucette avant que ça tourne mal. Regardez, j'ai plus que 3, 2 sucettes et demi. Donc hop, mangeons vite une sucette. Voilà, et on peut repartir à l'assaut. Donc là encore, je vais dégommer ce mur. Voilà, regardez, je pousse à droite pour découper, un petit coup vers la gauche. Et j'ai la manette qui vibre, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et je tapote pour tout défoncer. Elle est nerveuse, la Juliette, elle est nerveuse. Mais où t'en vas-tu, jeune ami? Oh là là, les zombies explosifs, j'aime pas du tout. Il y a une scène super dure où il y a des zombies explosifs qui arrivent derrière vous. Attendez, là, je vais me gonfler un peu quand même. Voilà. Et il y a un gâteau bourré d'explosifs et ces zombies, évidemment, sont en flammes. Donc, il faut les empêcher d'approcher le gâteau, sinon tout saute. Donc ça, ça a vraiment été un niveau, je l'ai refait 20 fois avant d'y arriver. Et je suis assez fier de m'avoir réussi, mais c'était très très drôle. Enfin voilà, ils arrivent à trouver des idées vraiment brillantes. Je suis encore pas bien, qu'est-ce qui s'est passé? Je prends un petit sucette, allez. Allez, pour la route. Oh, encore un school bus qui traverse le hall du lycée, décidément. Oh my god! What the heck is this? Vite, dépêchons-nous! On tronçonne vers la droite, vite, vite! Voilà le truc qui arrive. Ouf! Ah! Oh, j'ai réussi à me planquer, super. Quand vous mourrez, vous avez droit à la pierre tombale de Juliette et la tête de Rick à côté coupée qui fait « Oh, j'ai pas réussi à te sauver, ma chérie. » C'est vraiment super trash, j'adore. Tiens, d'ailleurs, j'ai peut-être essayé le lancer de tête de Rick dès qu'il y aura un peu de monde, histoire de vous faire voir. Bah voilà, là, il y a du monde, alors vite, éloignons-nous. Voilà, et je vais tenter le lancer de tête de Rick. Non, raté, j'ai encore un ticket, je réessaye. Encore raté, faut que j'appuie au bon moment. Voilà, Obi va m'exploser à la tronche, vite. Sauvons-nous. Et eux, je n'aime pas qu'ils s'en prennent à ma camarade de classe qui est là-haut. Donc, on va s'en débarrasser. Ah, t'es contente? The zombies totally pulled my underwear up my butt.
Oh la vache. Je vais ruiner ma petite culotte. Oh, ça peine de partout. Oh, watch out. Je crois qu'on va bientôt arriver à la séquence de pole dancing dont je vous parlais tout à l'heure. J'aimerais vraiment la voir. Je sais que normalement, c'est fini depuis... J'ai vu Alex, hein, tes petits signaux. Je sais que l'émission est finie, mais j'aimerais tellement la voir faire du pole dancing. Ah oui, autre truc, regardez, ma jauge en bas à gauche est pleine. C'est une sorte de jauge de furie. Je vais l'enclencher même si c'est pas... Non, je vais peut-être attendre un peu plus haut quand même. Un peu plus de danger. Là, ça va nous être surpuissante pendant quelques secondes. Ça déchire, quoi. Enfin voilà, ça me rappelle en fait Double Dragon, tous ces trucs. La baston, on nous mettait une grosse flèche à la fin du niveau pour nous montrer qu'il fallait aller par là. Il y avait des combos monstrueux avec des personnages vraiment méchants et tout. Enfin voilà. Je retrouve le plaisir des vieux jeux de baston en 2D, mais cette fois en 3D. Et quel 3D ? Parce que Juliette, c'est pas rien en 3D. Ah, voilà du zombie. Alors voilà, merci les copains. Ils m'ont pas trop aidé. Et sur ce coup-là, vous avez vu qu'ils m'ont fermé le rideau de fer sur le nez. Donc il va falloir que je fasse autre chose. Ah, voilà, les étudiants captifs. Et peut-être le... Encore des histoires d'amour entre étudiants. Enfin vraiment, c'est complètement tordu. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ah, la voilà la séquence de pole dance que je vous avais promis, regardez bien, c'est parti, je me suspends et je tournicote en tapotant. Quand même, franchement, ça valait bien le coup de finir sur ça, je trouve. Voilà, il en reste encore, je vais continuer à tournicoter. Ah, c'est discours diable, hein, j'avais prévenu. Et je voulais juste utiliser ma furie aussi, allez, encore un tout petit peu. Mais franchement, j'arrêterai jamais ce jeu, si on me laissait faire, c'est terrible. Je me suis vraiment trop marré, quoi. Ah, voilà, vous êtes sauvé. Ou pas, non, il en reste un. Voilà, c'est celui-là. Mais il comptait pas. Allez, hop. Donc, on va sortir par là. Je vais récupérer mes amis étudiants qui sont très, très contents. Ils vont me donner de l'argent. J'ai tout filmé, ça va faire un carton sur Internet. Professor Campbell is so hot. Voilà, très bien, merci. Il y a plein de références comme ça. Je me dis, mais pourquoi ils essaient de ruiner mon anniversaire? Et d'abord, comment ils savent que c'est mon anniversaire? Et ils l'ont lu sur ma page Facebook ou quoi? Voilà. Donc plein de petits clins d'œil dans tous les sens. C'est vraiment super bien foutu. Allez, un dernier. C'est juste pour utiliser ma petite furie. Je voudrais que vous me voyez en train d'utiliser ma furie. Allez, c'est parti, je la lance. Même si c'est pas le moment, tant pis. Voilà, là je suis en furie, regardez-moi ça. Ça va aller très vite. Oh super, du Sparking Zombie, des médailles d'or, des médailles d'argent. En veux-tu, en voilà. Voilà, encore vite, quelques secondes encore. Et personne n'a tué, oh c'est quel dommage. En plus la musique disco, on dirait la musique des bronzés. N'importe quoi. Et voilà, allez. Je tapote. Donc ouais, les Quick Time Events sont pas gênantes quand il s'agit de se défouler comme ça. Allez, je vais sauter sur la tête des zombies pour finir. On est parti. Je vais traverser. Hop. Donc vous voyez, il faut varier le gameplay pour faire des conneries. Je trouve ça super drôle, quoi. Yes! Ah, oh, il a pause à la fin. Et voilà. Bon, allez, je crois qu'il faut un moment, faut s'arrêter. Je suis désolé, mais il faut vraiment qu'on s'arrête. En même temps, je suis pas loin. Non, bon, je suis pas loin du basket, mais bon, on verra un autre jour. Ça ferait presque... On a le temps, Alex, encore? Oh, super. On a chaud. Il est gentil, Alex, il est gentil. Oh, j'adore. Quel bon garçon. Toujours à l'écoute de ses spectateurs. Non, je suis désolé, je m'éclate comme un petit fou, mais je pense que vous, ce sera pareil. Ça serait étonnant que vous n'aimiez pas ce jeu, vraiment. En plus, il y a quand même de quoi faire, hein. Les niveaux sont super longs, ce qui peut être frustrant d'ailleurs, parce que par moment, vous pouvez pas, comment dire, faut pas arrêter la partie tant que vous n'avez pas sauvegardé, tant que vous n'avez pas arrivé à la fin d'un niveau. Et ils peuvent être vraiment très très longs. Ouais, voilà, je crois que j'arrive à la partie de basket. On va juste commencer le basket. Ouais, super! On aura eu le basket, merci Alex.
says zombie basketball. Time limit 3 minutes. You lose and blam. Donc ils ont mis des explosifs partout. Si j'arrive pas à marquer 100 points en 3 minutes, j'adore. Excusez-moi, je rigole tout ça, mais j'adore. Ouais. Alors allons-y. Regardez bien. Je décapite et vous voyez les têtes qui partent dans le filet là-bas. Et là, panier à 3 points, parce que je ne suis pas dans la surface de réparation, pas bête. Donc ça a l'air con. Mais même ça, par exemple, c'est super stratégique. Puisque regardez, lui, il bloque. Regardez, je vais envoyer des têtes et l'autre s'est mis en défense. Donc il va bloquer les têtes. Voilà, j'arrive plus à marquer de but. Donc je suis obligé d'aller le zigouiller pour l'empêcher de me marquer des buts. Enfin, qu'il arrête de jouer en défense. Mais là, les points que je marque, regardez, je marque plus qu'un point par tête. Puisque je suis dans la surface de réparation. Donc, enfin de réparation, je sais pas, je suis nul en sport, je sais pas comment ça se dit au basket. Mais voilà. Donc je suis obligé de ressortir de la surface. Et dès qu'un gars se pointe en défense, je suis obligé d'y aller, sinon ça sert à rien. Voilà, je dégage les deux défenseurs et je reviens. Il n'y a que comme ça que je devrais arriver. Je devrais réussir à marquer. Vous voyez, il me reste 1 minute 50, je suis à la moitié, j'ai fait 54 points. La seule façon d'y arriver, c'est vraiment de marquer des paniers à 3 points. Donc il faut sortir de la surface de réparation à chaque fois. Allez, on va essayer de le faire jusqu'au bout. Et voilà des pom-pom girls qui se pointent, qui marchent sur la tête. Donc pour s'en débarrasser, elles, il faut absolument faire un coup bas vers le sol puisqu'elles ont la tête vers le bas. Donc voyez, sous ces dehors de jeux de brutasse absolument épouvantable, gore, idiot et tout ce qu'on veut, c'est un jeu qui est empreint d'une certaine subtilité, j'ai envie de dire. Allez, 70, il reste 1 minute 20. C'est faisable, sauf qu'il y a deux défenseurs qui sont en train de me pourrir la vie là. Voilà. Allez, allez. Ah là là, plus qu'une minute, plus qu'une minute. On verra. Soit ça finira en apothéose avec une explosion magistrale, soit ça finira bien. Et je passerai à la suite du niveau parce que ce niveau n'est pas encore terminé, voyez-vous. Quand je vous disais que c'était long. Allez, allez. Plus que 45 secondes. Et il me reste 95, allez, 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 39 secondes, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Par contre, vite, une sucette. Wow, what a turnaround. Oh, et c'est bon, j'ai réussi, à moitié morte, mais j'ai réussi. Yes. Bon, et ben voilà qui termine bien ce chez Marcus, les petits amis. Bon, je crois que vous avez compris que j'étais relativement fan de Lollipop Chainsaw. que vraiment, c'était un jeu que je vous recommandais fortement. Allez, une petite sucette pour la route. N'y voyez aucune allusion coquine, comme elle le dit elle-même d'ailleurs dans l'intro du jeu. Et puis voilà, bon, allez, allez, ça suffit. Maintenant, Marcus, ça suffit, il faut arrêter. Lollipop Chainsaw, c'est du bon, tout le monde le dit, surtout moi. Allez-y, mangez-en, régalez-vous. C'est bon, les amis, de temps en temps. A bientôt, les petits amis, ciao.